classe d'exercice de Sup de Thémat. Mon nom, c'est Renée. Je suis une grande malade, une entraîneuse de yoga et d'exercice pour tous les âges. Ça, c'est la classe du yoga de chaise. Donc, bienvenue. Comme j'ai dit avant, on commence toujours avec la posture et les respirations. Donc, on commence avec nos pieds par en avant, nos orteils par en avant, nos genoux sur les chevilles et les épaules sur les hanches. On amène nos abdominaux par en dedans. On roule nos épaules par en bas et ensemble. On étire vers la terre avec nos doigts et on tourne nos pouces vers l'en dehors pour essayer d'engager tous les muscles. On amène nos manteaux par en avant et on pense à respirer des gros respires. Inspirez vers le nez et expirez vers le nez. Des gros respires. On veut laisser aller de tous les jugements de nous-mêmes, de les autres. On veut penser à aimer notre corps, ce moment, nos respirations. On veut relaxer la face. Des gros respires. On veut laisser aller au cerveau, au pansement, ou on veut penser d'être dans nos pieds, dans nos mains, dans nos muscles, dans nos respirations. Trois autres gros, gros respires. Laisse tout aller. Très bien. On commence comme c'est là, dans la montagne. Puis là, on veut additionner du mouvement aux montagnes. Si on lève les mains au ciel, on les pèse ensemble et descend quand on expire. Et on le fait encore. On s'élonge vers le ciel. Et quand on a les mains ensemble et on expire, on veut penser à ouvrir la poitrine ici. Peser les mains ensemble. Activement, penser à nos mains. C'est ça. Très bien. On en fait cinq autres. On veut peser dans nos pieds, dans nos fessiers. On veut s'allonger. Et on en fait deux autres. Très bien. Un autre. Un peu plus grand. Très bien. Là, on va additionner les mains de lune. Si on fait les mains de lune, on inspire ici, on expire, on tourne en montagne. Très bien. On inspire, on expire les mains de lune. On inspire, on s'étend et on tourne en montagne. Très bien. Encore. Main de lune. Par en haut et en bas. Une autre fois. Puis on veut sentir tous les muscles. Tous les muscles. On s'étend, on inspire. On s'ouvre, on expire. On s'étend, on inspire. Et on tourne, on expire. Très bien. On va se pencher par en avant. Donc, on commence dans notre montagne. On se lève les mains au ciel quand on inspire. On s'étend les mains et on descend. On relaxe ici.
Deux autres gros respirations. Relaxez la tête, relaxez les épaules. Prenez la tête d'un bord à l'autre un peu. Un autre gros respiration. On inspire et on monte pour avoir la poitrine ouverte et les épaules par en arrière. So, quand on dit on revient à mi-point, c'est ici. Là, on descend encore, penché par en avant. Puis là, on a deux options. On peut mettre les mains sur les jambes et nous peser par en haut. Laissez les mains aller et retourner. Ou on va faire l'autre option ici. Les mains par en arrière, on descend pour la pencher par en avant. On relaxe la tête. On inspire et on va au mi-point. On expire puis on descend. On inspire puis on s'élange les bras. Puis on vient par en haut encore. On retourne à la montagne. On fait la penchée par en avant une autre fois. On s'allonge. On prend un gros respire. On expire par en avant. On relaxe la tête. On inspire. On se lève un petit peu. On expire. On descend. On inspire, on peut se peser pour venir ou on peut s'ouvrir les bras. On tourne à la montagne. Très bien. Un gros respire ici. Un autre. Quand on pense à la posture, on va penser à notre dos. So, on va mettre les jambes ensemble. On va peser les jambes ensemble et on va garder nos bras sur les deux bords de la jambe. So, les épaules sont par en arrière et en bas, pesées ensemble. On amène la poitrine vers la jambe. On expire. On inspire, on se lève. On expire, on lève un bras et descend. On inspire, on se lève. On expire, on lève l'autre bras et on descend. On inspire, on se lève. On expire, on va la poitrine par en avant. On inspire, on se lève. On expire, on prend la main et on l'éteint et on se perd par en avant. On retourne une autre fois sur l'autre bord. Expire, on descend. Inspire, on retourne. Très bien, très bien. Là, on va aller par en avant et on va tenir notre position ici. On va amener nos abdominaux par en avant et nos épaules par en arrière. On prend un gros respire ici et on expire et on s'étend la main. On tourne, on prend une grosse respiration, on s'enligne et on va sur l'autre bord. On inspire, on expire. On inspire, on expire. On inspire, on reste ici, on expire, on se laisse aller par en avant. On va se donner une petite caresse. On va se poigner les jambes, puis on va caresser nos jambes. Et on va se rouler les épaules par en bas et relaxer la face. Un autre gros respire. Laisse les mains aller, relaxer la tête. Là, on va se mettre les mains sur les genoux et on va se peser pour monter. Sur n'importe quel temps qu'on est par en avant comme ça, on peut se peser pour monter, puis on sait que notre dos est aligné comme ça. On peut prendre une gorgée n'importe quel temps. Ou, durant le yoga, on peut toujours se reposer. Toujours. Et juste respirer. On commence dans la montagne.
On descend nos bras et on prend trois gros respirations. On se retourne à nos pieds, à nos respirations. Un autre grosse respiration. Très bien. Et là, on va faire la montagne encore. On va s'élever les mains vers le ciel. On va les amener au centre-cœur. Très bien. Là, on va aller dans position grosse. Sur les genoux sont sur les chevilles. Les pieds sont la même direction que les jambes. On commence ici avec les bras par en dehors, les pouces par en arrière. On amène les abdominaux par en dedans. On pèse dans les pieds. On se tient. Là, on va lever les orteils, puis après ça, lever les talons. On inspire les orteils, on expire les talons. Une coupe d'autres. Trois autres. Très bien. Un autre, un autre. Étirez les mains. Très bien. Là, on va peser nos pieds dans le tapis, dans la terre. On va prendre un gros respire et s'élonger vers le ciel. On expire et s'étend vers chaque bord. On le fait encore. La pose du soleil. Si on se pense comme le soleil, on s'étend vers le ciel. Après ça, vers les deux bords, c'est ça. Trois autres. Très bien. Deux autres. Vers le ciel, étendez-vous. On peut regarder d'en avant ou par en haut, mais c'est à nous. Là, on se descend les mains en dedans de les cuisses. D'ici, on va prendre une main, puis on va s'élonger vers le ciel et mettre le coude sur l'autre jambe ou s'étendre en dedans de la jambe. OK? So ici. On va prendre un autre gros respire, puis on va ouvrir la poitrine et mettre l'épaule par en arrière. Très bien. Un autre gros respire, ici ou ici. D'ici, on va faire s'étanger par le top et revenir. Juste faire des gros, gros, gros sacs. So, on respire, on expire et on revient. Un autre. Très bien, très bien. Là, on va inspirer, puis on va revenir au milieu. On va s'étendre l'autre main. On va descendre sur le genou ou contre la jambe. Ici, on va s'étendre vers l'en avant quand on expire et faire des gros cercles pour tourner. On va peser dans les pieds. On peut regarder au plafond, ou par en avant, ou en bas. Écoute à votre corps. Deux autres. Lentement, avec les respirations. On veut s'étirer vers les doigts. Un autre, un autre. On s'étire pour commencer, puis après ça, on se lève avec ce bras-là. On rentre nos pieds par en dedans. On retourne à notre montagne. Avec les pieds par en avant, les hanches autour des épaules et les mains par en bas. Trois grosses respirations. Là, on peut commencer à sentir les muscles. Très bien. Deux autres respirations. Très lentement.
à un autre. Très bien, très bien. On va s'élonger vers le ciel et se laisser aller les mains aux jambes. Ici, on va faire le chat, le sphinx et le crocodile. Donc, on commence avec le sphinx. Après ça, on va dans le chat. On retourne au sphinx. On va dans le crocodile. On le fait encore. On inspire. On expire chat. On inspire sphinx. On expire crocodile. Les bras sont contre les côtes. On se lève, on pousse avec nos bras. On commence le chat, le sphinx, le crocodile. Puis après ça, on se lève. Très bien, très bien. Là, on va se mettre sur un bar. Je vais commencer à ce bar-ci. On amène les genoux sur les chevilles. On prend la jambe qui est au bord du chaise, de la chaise, et on le met par en arrière. Ceci est Warrior One. La hanche est par en avant, le talon est par en arrière. On se lève les mains. On s'étend vers le ciel avec la hanche et les côtes par en avant. Le talon, il pèse par en arrière. Un autre gros respire. On prend un gros respire pour s'étendre vers le ciel. Après ça, on descend la main vers la jambe d'en arrière, puis on s'étend vers le ciel. On le fait encore. Vers le ciel avec les deux bras. Après ça, par en arrière et en haut. Deux autres. Vers le ciel. Par en arrière et par en haut. Un autre. Très bien. Là, on peut laisser aller des mains. On peut laisser aller de la jambe et poigner notre cheville et peser la hanche par en avant. Ouvrir la poitrine et peser le pied dans la main. Ou, vous pouvez retourner à Warrior One, avec le pied par en arrière, la hanche par en avant. Un autre gros respire. Puis là, on laisse aller, on tourne au milieu. On met nos mains sur nos jambes et on retourne à sphinx. On expire dans le chat, on revient, on inspire à sphinx, puis on se descend la poitrine vers les jambes pour le crocodile. On retourne. Sphinx. Chat. Sphinx. Crocodile. Une autre fois, une autre fois. Sphinx. Avec vos respirations. Crocodile, expire. Sphinx, inspire. Expire. Puis revient. Très bien, très bien. Là, on fait l'autre bord. Si on marche notre corps sur l'autre bord, on fait certain que nos genoux sont sur nos chevilles. On amène notre jambe de en dehors par en arrière, la hanche par en avant, les côtes par en avant, et on s'étend vers le ciel. On amène notre talon par en arrière. On prend des gros respires. On veut sentir le corps. Deux autres gros respires. Un autre avec le talon par en arrière. Là, on s'étend vers le ciel. Après ça, on met notre main par en arrière. Puis on s'étend vers le ciel en même temps. On inspire ici. On expire ici. Deux autres. Inspire au ciel. Expire la jambe d'en arrière. Une autre fois. Une autre fois.
On prend un, on gros respire. Puis après ça, on laisse aller tes mains, la jambe. On la relaxe une minute. On peut poigner notre cheville, puis faire cette position comme ça, ou comme ça. On veut étirer la navette de la jambe. Très bien. Aussi. Deux autres gros respires. Très bien. On laisse aller la jambe. On tourne au centre. On s'assoit très droit. Sa prochaine est un peu plus compliquée, mais on va pratiquer. So, on a deux qu'il faut qu'on fasse. L'arrière de la jambe. So, on s'assied sur le bord ici. On s'étend une jambe et on amène les orteils vers nous. On met la même bras que la jambe qu'on a ici. On amène l'autre bras dessus. On peut garder les bras ici, puis tirer les coudes par en bas, ou on peut je sais pas comment tu dirais ça en français, là, les mettre ensemble un petit peu plus serrés et tirer les coudes par en bas. Là, on va se descendre vers la jambe. Deux autres gros respirs. Shoulders. On veut les épaules par en bas. Un autre gros respire. Puis là, on va laisser les mains aller, laisser la tête aller. Par en bas. Deux autres gros respires pour relaxer. Relaxer dans cette position ici. Ou marcher les mains un peu plus loin. Très bien. Là, on va retourner. On a encore l'autre bord à faire. Les bras qu'on fait s'appellent les bras de l'aigle. So, on met le même bras en avant que la jambe. L'autre bras va en dedans du bras. Là, on peut garder les bras ici, puis descendre les épaules et les coudes, ou on peut les serrer un peu plus. Là, on va prendre les coudes, les épaules, on les descend, puis on amène la poitrine vers la jambe. On prend des gros respirs ici. Deux autres gros respirs. Vers la jambe qui est étendue. Là, on laisse aller des mains. On relaxe la tête, puis on prend trois gros respirs ici. Imagine relaxer un peu plus. Prends un plus gros respire. Un autre. Très bien. Là, on va marcher. On va retourner à assis. Là, on veut s'asseoir très confortable. On veut être confortable. D'ici, on va prendre notre oreille vers notre épaule. Mais on veut descendre l'autre épaule. C'est ça. Un gros respire ici. Là, on amène notre menton vers la poitrine tranquillement. Un gros respire ici. Puis là, on va faire l'autre bord. On va rouler notre tête pour amener l'oreille vers l'autre épaule. On va amener nos épaules en bas et garder l'oreille vers l'épaule. Un autre gros respire. Très bien. Là, on va retourner. On va faire un autre gros respiration ensemble. Si on commence, on se lève les mains. On va aussi haut qu'on peut aller. On amène les mains ensemble, on sent les mains pousser ensemble jusqu'en bas. Ici, on serre les poignets. On met les mains en envers. On sent les poignets dans une manière différente.
C'est ça. Très bien. Là, avant qu'on relaxe, une autre chose. On va prendre notre main et la mettre sur l'opposite, le genou opposite. Et regardez sur l'épaule. Une torsion. Là, on va aller sur l'autre bord. On va faire la torsion sur l'autre bord. Et regardez l'autre bord. Très bien. On veut rester très droit, très, très grand dans notre posture. On va tourner au centre. Très bien. On va mettre nos mains ensemble, puis on les met ensemble, puis on veut faire de la chaleur pour relaxer les yeux. C'est une fois qu'on sent les mains un peu échauffées, on va mettre nos mains sur les yeux. On prend des gros respires. On se relaxe les yeux. Puis là, quand on respire, on va laisser nos mains descendre. Puis quand nos mains ils sont toutes descendues, on va sentir plus relaxé. On va prendre des plus gros respirations. On va penser de relaxer nos mains et nos épaules. On veut penser à nos pieds et nos orteils. Et penser de prendre un gros respire et relaxer les pieds, les orteils, les chevilles. On veut relaxer les jambes, les épaules, la face, les yeux. Et on peut penser avec chaque respiration, on sent plus en plus tranquille. On va mettre toute notre attention sur les respirations. Sur le corps, très, très tranquille. On veut s'apercevoir que c'est bon d'être tranquille. Que c'est bon de prendre des grosses respirations. Et qu'on commence à aimer ça. Très bien. Là, on peut sentir, retourner dans ta chaise ici. On sent bien dans les pieds, dans les jambes, dans le corps, dans les bras, dans la face, dans le cerveau. Merci beaucoup pour votre pratique de yoga aujourd'hui. Et j'espère vous voir dans une journée ou deux à en faire d'autres yoga. So, merci et namasté à tous.